Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drigan et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est pas sur le PTB, alors j'en ai d'autres de côté sur le PTB que j'ai enregistré. Mais vous les verrez au moment voulu. On va un petit peu en changer, donc on se met en dehors du PTB. Avec le beau gosse Léon, sous son skin R4 en plus, à Raccoon City, parce que j'ai mis l'offrande pour aller sur Raccoon City. Donc c'est la deuxième fois que je vais dessus. Parce qu'il faut que j'apprenne à jouer sur cette map. Ok, go. Donc, il faut que j'apprenne à jouer sur cette fucking map. Ok. Et donc, je suis en compagnie qui joue avec moi, mais qui est pas en vocal. Donc, il y a Ryu. Ok, donc déjà, on entend l'aura du tueur. Ce n'est pas un aura, enfin c'est pas une aura de tueur qui a été rework. Donc ce n'est pas un Billy, ce n'est pas un clown. Allez, on tente de le terminer, on tente de le terminer, on tente de le terminer. C'est un gêné qui peut se faire. Que notre coéquipier, voilà, bon bah, a pu sortir des griffes du tueur, mais qu'il se fasse pas défoncer en vain. Ok. Ok, ok. Le tueur n'a pas attaqué la personne en bas. Et ouais, ce skin de Léon est tellement beau. Honnêtement. C'est le skin de la beauté. Alors. Voilà, si vous voulez voir le skin, voilà. C'est le skin avec le design de Léon Remake de Resident Evil 2 et 3. Resident Evil 2. C'est le visuel de ça avec le skin du R4. Donc voilà ce que pourrait potentiellement donner un Léon dans son futur remake d'R4. Bon, logiquement, il devrait être un peu plus vieux. Logiquement, il devrait être un peu plus vieux. Mais bon. Ah bah j'allais sauver. Vas-y, fais descendre la palette. Voilà. On sait que la hitbox sur DBD, elle est moisie. Donc on en profite, hein. Ils savent pas corriger leur hitbox par rapport au perso et tout, donc... Ou il va se faire tuer. Non? Oui, non? Oui. Donc on va continuer un peu ce gène, hein. Il n'y a pas de ruine, de ce que j'ai pu voir, donc c'est cool. Sinon ce serait activé en tant qu'au-dessus à droite. Non, je me serais pas sacrifié parce que je sais que le crochet est très proche. À moins que c'est la première fois que Ryu joue sur cette map. Alors, est-ce que le campeur joue réglo? Alors, on va se dire, j'espère que le campeur. Que le trappeur ne joue pas campeur. Oh merde, je me suis pris la. Voilà. Voilà, là, quand on parle de hitbox pété et faite avec le cul, bah, il y avait ça. Il a tapé dans mon dos. Enfin, il a tapé dans son dos et ça a marché. Voilà. Bon, ils en ont profité pour libérer le temps que je fasse ça. On va utiliser la compétence de la nouvelle pièce qui va me permettre de rusher le gêné du mid. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Voilà, ça, au moins, c'est fait. Au moins ça c'est fait. Bon allez, on va se soigner. Le mieux c'est qu'on puisse se soigner. Alors, je ne sais pas où il l'amène. J'entends l'autre tueur de près. Mais il est où? Ok, il est là. Bon, on a bourreau time donc on pire, on risque nos fesses. Il faut que j'amène le tueur sur moi.
Eh viens, viens, on va faire le tour, toi et moi. Alors déjà, s'il serait pas débile, il aurait mis instant un piège entre moi, entre au milieu vers le la palette. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu lâches vite fait l'affaire, toi. Hein. Oh, t'es nul. Oh, t'es nul. Hein. Déjà, t'aurais posé un piège à loup entre bah là, vers la palette là. T'aurais déjà niqué tout le loop. Qui est juste énorme. Hein. À lui seul, ce loop, tu peux faire au moins 2-3 tours tranquille. Putain, j'ai envie de chercher la merde. Attends, y'a pas un casier là? J'entends quelqu'un là. Enfin, j'entends de près. Quoique. Allez, bouffe ça dans ta gueule. Viens pas me faire yesh. Allez, rebouffe ça dans ta gueule, viens pas me faire yesh. Allez. Ok. Et ce loop là, est-ce que tu veux qu'on le retente toi et moi? Allez, ce loop là, je l'aime. Je l'aime. Bon bah, ils ont pu faire un gène le temps que je m'amuse avec lui. Hein. Je suis ici, tu as. Très peur, je suis là. Allez. Viens chouaper. Viens ma chouaper. Non, il veut pas. Il est pas motivé, hein, et... Waouh. Strapper, c'est vraiment un connard, hein. Bon. Eh, viens, Trapper, viens. Bah, viens. Allez. Trapper. Ça a l'air d'être un trappeur semi-campeur. Ouais, il reste quand même dans les alentours, hein. Pas doué comme tueur, hein. Pas très très doué, hein. Ouais, non, il... Il campe. Ah! Ouh, je l'ai pas vu, ça fait mal. Est-ce que je l'ai du premier coup? Oui, du premier coup. Yeah, bitches. Là, il y en a pas par terre, que je me reprenne pas. De toute façon, mais si je m'en reprends, je tombe pas à terre, hein. Si tu veux me soigner, on va un peu plus loin avant. Parce que j'ai pas confiance. Hein. Pas confiance si tu reviens. Ouais, il peut venir de plusieurs côtés. Là. Voilà. Il peut venir du fond, des escaliers, sur la droite, re à droite aussi. Il fait le génie devant lui. Il a pas de race. Est-ce qu'il y a un piège? Non, il y a pas de piège là. On va faire du bruit. Allez, viens là. Non, il a l'air d'être complètement... Il n'y a pas un trap ici? On fait gaffe, hein, parce que quand même le trap dans la zone d'ombre des escaliers, c'est énorme. C'est vraiment trop bien. Par contre, j'entends tellement son aura. J'entends tellement son aura. Ah non, mais c'est la deuxième fois que je tombe dessus, donc il y a des salles, je me souviens, parce que j'ai joué au remake. Hein. Mais sinon... Donc, parce que là, c'est voilà, là c'est là où Léon découvre le cadavre du mec en lui touchant le visage, et que tu vois que la bouche qu'il est toute dégueulasse et tout. Et c'est même là où il y a les traces de liqueur et tout. Mais... Ah, tu veux jouer à celui qui va plus vite? Ah oui. J'aime bien, moi je suis en mode accéléré quand je dis oui de la tête et lui il est en mode tout lent. Va là-bas toi, va le libérer. Merci. D'habitude je joue avec une autre paire qui a la place de Bourreau Time aussi, c'est celle des totems. Et j'aurais dû la jouer. Parce que pour l'instant, je ne connais pas le spawn des totems sur cette map, pour être honnête.
Espérons qu'il va arriver à la libérer. Espérons. Nickel, bien joué. Oh, il a campé aux alentours parce qu'il vient de le retaper. Ok, on est tombé sur un... Ben, un tueur qui campe. Voilà. Un tueur qui ne sait même pas jouer son propre rôle. Normalement, il n'y a pas une sortie ici. Ah si, mais sauf qu'elle est pas là. Ok, ils sont à d'autres endroits. Parce que moi, je connais ici où il y a une sortie logiquement qui spawn. Mais à mon avis, donc je suis pas au bon endroit. En bas, ça nous amène où? Ah, c'est là où il y a la cabane du tueur. Ah ouais. Bon, espérons que Ryu pourra aider notre cher coéquipier. Parce que je crois que Ryu a joué un peu plus sur la map de Resident Evil que moi. Moi, c'est ma deuxième fois, donc... Pour être honnête, je suis paumé. Mais attends, je suis où, là? Attends, je viens de... Non, j'allais dire, c'est le même endroit que ta... What the fuck? Donc, ça veut dire que les sorties sont à l'entrée du commissariat? Non! Mais non. Mais non. Mais... Oh non! Bourreau, personne n'échappe à la mort. No head. Ah, fait chier. J'ai cru que Ryu pouvait sauver notre coéquipier. Alors, l'avantage de se mettre cette map, c'est que je vais apprendre à jouer dessus. Mais l'inconvénient, c'est que je la connais pas à 100% pour l'instant pour pouvoir instant help. Ah, j'aurais dû y aller de suite. J'aurais dû y aller de suite. Ah putain, il va te camper hardcore. Regarde-moi ce campeur. Frère, t'as no head. T'as encore tes chances de refaire tomber moi ou lui. Et tu campes sale comme ça. Je trouve ça juste dégueulasse. Bon, bah, on est obligé de s'enfuir, hein. Les compagnons se seront sacrifiés pour moi, on va dire ça. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, Mina. Oh, du succès.